seelischer Boden im besten und tiefsten Sinne des Wortes ist, so dass wir alles, was in unserer Kraft steht, immer tun werden. Die Politik, die unsere Mitgliedsregierung und die Institutionen der Gemeinschaft in Bezug auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gemacht haben, hat nun einmal einen großen Erfolg gehabt, ist wahrscheinlich das Konstruktivste, was an europäischer Politik überhaupt bisher geschehen ist, und auch die weltweite Ausstrahlung dieses Erfolges lässt sich nicht leugnen. Und ebenso sicher ist, dass diese Integration, die Fleisch geworden ist in den bestehenden europäischen Gemeinschaften, zum Herzstück des europäischen Fortschritts überhaupt geworden ist. Le traité instituant la fusion des communautés européennes du 8 avril 1965 étant entré en vigueur, les gouvernements des États membres ont nommé les présidents, vice-présidents et membres de la commission unique. Cette nomination ayant été faite à la date du 1er juillet et notre entrée en fonction ayant lieu le cinquième jour après cette date, c'est aujourd'hui 6 juillet que la commission unique entre en fonction, c'est à ce titre que nous voilà réunis. Que notre commission unique succède à 3 exécutifs européens dont nous sommes ici les héritiers. L'Europe a besoin d'un nouvel élan politique. Et nous croyons que le traité de fusion et les occasions qu'il donne en sont un des moyens. Et je vous rappelle que le traité lui-même, dans son préambule, commence par cette phrase de nos 6 gouvernements et ratifiée par nos 6 parlements, résolu à progresser dans la voie de l'unité européenne. Nous commençons notre première séance. Et avant de prendre connaissance et approuver, si vous êtes d'accord, l'ordre du jour, je voudrais dire, mieux, je voudrais lire quelques phrases pour exprimer mon sentiment à mes collègues. In primo luogo, poiché occorre garantire all'Europa il proseguimento dell'espansione al ritmo sostenuto registrato negli ultimi 10 anni. Questo ritmo di espansione è indispensabile per soddisfare non solo le aspirazioni individuali, ma anche le esigenze collettive di una società che deve concepire e realizzare una vita qualitativamente migliore. L'entrée du Royaume-Uni, dell'Irlande, du Danemark et de la Norvège dans la communauté est l'aboutissement d'une action engagée depuis plus de 10 ans pour donner tout son sens et toute sa dimension à l'entreprise européenne. Les 10 pays démocratiques parmi les plus développés du monde qui constitueront la communauté élargie ont certes le devoir et la possibilité d'améliorer les niveaux et la qualité de vie de leur population. Mais ils peuvent et doivent aussi constituer un facteur puissant de liberté, de sécurité, de progrès et de paix dans le monde. Je voudrais vous dire que nous sommes à ce moment, un temps où la Commission, je précise, doit prendre encore une série de dispositions. Et nous n'avons pas, disons, une communauté avec une commission présidentielle. Nous avons alors une commission qui décide en commun toutes les questions. Tout a tourné autour de l'homme, surtout les problèmes sociaux, les problèmes régionaux, les difficultés, la vraie solidarité à l'intérieur de notre communauté ont joué un grand rôle. Et je ne voudrais pas oublier aussi la solidarité vers les pays en développement, cela veut dire la solidarité à l'extérieur avec les pauvres. Monsieur Millet est là. Jean-François.
Ton voisin est absent? Non, il est là, il est là. Travail. Réunion bilatérale. C'est un moment très important pour les hommes et c'est un moment très important pour le collège, c'est-à-dire pour l'institution que nous représentons. Au moment d'ouvrir la première séance de la commission de la communauté élargie, je voudrais avant tout, et vous le comprendrez, évoquer nos prédécesseurs. The new commission, over which I have the great honor to preside, is the heir to a tradition of practical idealism and achievement, which goes back to the beginning of Jean Monnet's presidency of the coal and steel community a quarter of a century ago. The idea of having a commissioner with special responsibilities is new, a important task of the new commission will be to deal with enlargement questions. The matter is too important to wait. It is too important because the potential for good within the community of a carefully introduced and properly managed monetary system is, in my view, overwhelming. We must not lose sight of the objectives we have set ourselves behind a thicket of thorny and troublesome detail. Perhaps it is worth spending a brief time to remember why we started down the monetary road at all. The arguments are now well known and well understood. But perhaps as we wait in the wings for the curtain to go up, it is appropriate to rehearse the lines again. Mon souci, mesdames, messieurs, quant à moi aujourd'hui, est de vous livrer dans un environnement difficile pour l'Europe et en mettant l'accent sur quelques exemples particulièrement significatifs, les orientations, les principes d'action qui guideront cette nouvelle commission, action dont le succès dépendra dans une large mesure, vous en êtes les témoins privilégiés, de votre support politique. Grâce à l'expérience des uns, grâce, comment dirais-je, aux nouvelles initiatives des autres, à former une équipe vraiment soudée, car j'ai l'impression que l'Europe en a besoin. En tout cas, je me présente à vous dans ces dispositions et permettez-moi à cette occasion de vous renouveler à vous, pour vous personnellement et pour votre famille, encore une fois, mes tout meilleurs voeux. Voilà. Un bon point d'observation pour tout. Ah oui, excellent. Pour Bruxelles, en tout cas. On peut rentrer une photo? Il faut des... Attendez, monsieur, c'est important que... Je ne serai pas un montreur de foire. Messieurs, je vous remercie. Je ne ferai pas de promesses inconsidérées. Je ne tomberai pas dans l'euro-pessimisme. Tout d'abord, je ne serai pas un montreur de foire. Je pense encore à ce qui sera ma situation dans la presse dans 4 ans. Et par prudence, je ne dis pas comme... Cela doit exister dans d'autres pays qu'en Belgique ou en France, où je l'ai vu. Comme ces gens qui ont des poids auprès d'eux, qui sont des leveurs de poids et qui disent « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Je ne ferai pas de promesses inconsidérées. Tout cela parce que
Si je sais quels sont les devoirs de la Commission, j'ai pu mesurer, pendant ces 27 ans, les limites de son action. Après tout, les décisions sont prises par le Conseil des ministres. Et enfin, troisièmement, je ne tomberai pas dans l'euro-pessimisme. Je l'ai fait pendant longtemps. Depuis le début des années 1970, je ne cesse d'écrire des papiers ou de faire des interviews que je comprends très bien que vous n'ayez pas lu, hein. Je vous rappelle comme cela. Des écrits ou des interviews où je dis pour l'Europe, c'est la survie ou le déclin. Et dans le fond, pourquoi le cacher? Ça a été ma motivation pour accepter la proposition de devenir président de la Commission. La caractéristique essentielle qui accompagne ce rôle de défenseur de l'intérêt général, c'est l'indépendance de la Commission. C'est la condition nécessaire pour que ces initiatives expriment l'intérêt commun et non un simple équilibre de puissance entre pays, la vision à long terme et non la somme arithmétique des intérêts particuliers. J'entends parfois ironiser sur la volonté des États de préserver leur représentation au sein du Collège. Alors que l'Union est appelée à compter de plus en plus de membres, l'argument de rationalité est avancé. Cette objection me paraît difficilement recevable. La Commission ne représente pas les intérêts nationaux. Elle prend en compte les sensibilités nationales et c'est très différent. L'euro sera non seulement l'assurance de l'irréversibilité de ses efforts, mais en même temps un catalyseur de changements formidables. L'irréversibilité d'abord, car avec l'euro, il n'y a plus de marche en arrière possible. Le haut degré de convergence deviendra une réalité intrinsèque de l'union monétaire. Conclusions to draw. Thank you. I am really very happy to bring you my welcome to all the 10 new commissioners. Grazie al signor primo ministro di Slovenia. Draghi, piaceri, dober večer. Danes. Danes skupaj z vami pišemo zgodbo. Tukaj na tem trgu se danes simbolno sudreja ne samo Nova Gorica in Gorica, ampak cela Europa. La costruzione dell'Europa unita ha dimostrato che è possibile regolare i rapporti fra paesi non con il diritto della forza, ma con la forza del diritto.